Carrefour Riviera 2. L'échangeur est en construction et les ouvriers en plein travaux. On se prépare à modifier une fois de plus le parcours. La police veille à l'application des directives, une habitude ici pour riverains et usagers. Les désagréments, ça ne peut pas manquer. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Nous sommes habitués parce que chaque matin, quand on sort, au retour, on dit on ne passait plus ici, passait par là, tout est fermé. Pour ceux qui ont des véhicules, c'est aussi difficile. On est obligé de faire beaucoup de tours pour aller emprunter le taxi, pour aller au travail. Ce n'est pas facile. Des fois, on va en retard, on n'arrive pas à temps. Si on est malade, on ne peut pas emprunter un taxi pour arriver vite parce qu'on fait trop de tours. Le coordonnateur de l'ouvrage rassure, la fin des travaux, c'est pour bientôt. Aujourd'hui, on a pu isoler la zone des travaux et l'entreprise va pouvoir donc atteindre sa vitesse de croisière en creusant le tunnel. Et en même temps, avec les dispositions que nous avons prises, réaliser les trois tabliers dans un délai maximum de 2 mois. L'ouvrage principal demeure le tunnel et la chaussée, mais aussi quelques dispositions pour faciliter le trafic avant l'achèvement des travaux. Pour faciliter le trafic, surtout aux heures de descente, aux heures de pointe, à 16 heures, nous allons permettre à ceux qui viennent de l'école de police et qui souhaiteraient aller à Tauban de tourner à gauche, juste au point de déviation. Donc il y a eu un passage qui a été aménagé pour leur permettre de tourner directement à gauche et passer par le Vaudou pour aller à Tauban. Entamé le 25 novembre 2011, les travaux de construction de l'échangeur de la Riviera 2, selon le coordonnateur du Puyre, seront achevés début 2014.